n'est qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, que je me rends compte que l'éducation que mes parents m'ont donnée, et ça je dois le dire pour que tous les parents du monde arrêtent d'inséminer la peur à l'intérieur de leurs enfants. Une maman qui s'exprime en disant « Ah oui, mais moi, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. » J'avais des parents, dès que je grimpais une marche, « Descends, tu vas tomber. » Dès que je montais dans un arbre, « Descends, tu vas te faire mal. » C'est une peur et en même temps, c'est de l'amour pour eux. Et en fait, avec des telles remarques perpétuelles, on finit vraiment par se perdre. Mais parfois, la mère dit « que j'aime, j'adore mes enfants, je les protège au maximum. Je les protège tellement quelque part que je les étouffe, par exemple, que je les empêche d'évoluer, que je les empêche de prendre leurs responsabilités. Et c'est pas de l'amour qui me motive. C'est la peur qu'il leur arrive quelque chose, la peur de les perdre. C'est du coup quelque chose qui se montre, qui est plutôt une facette, ce sont juste des facettes, un peu possessives. C'est pas vraiment de l'amour. Autrement, il y a des choses qui ressemblent à de l'amour et qui n'en sont pas, qui sont en fait des peurs.